Maintenant, il y a deux changements qu'on instaure dans deux articles différents, le 103.14 et le 105.4.1. Mais en fait, ça dit un peu la même chose. L'an dernier, on avait instauré une règle qui spécifiait dans le baseball avec l'équité du jeu qu'on ne pouvait pas ajouter un joueur en cours de partie dans les tournois et dans les championnats. Puis évidemment, ce qui n'avait pas été prévu à l'époque, c'est ce qui arrivait dans le cas d'un match qui était suspendu à cause de la pluie ou de toute autre raison. Donc, c'est pour ça qu'on instaure une règle qui dit que lorsqu'un match est suspendu, bien évidemment, on pourrait faire des changements là, dans l'ordre des frappeurs, donc rajouter un nouveau frappeur qui n'était peut-être pas là quand la partie a débuté. Donc, dans la poursuite de la partie, ça va maintenant être permis là, de pouvoir rajouter un joueur dans le cours d'une partie, ce qui n'était pas le cas auparavant et ce qu'on vient corriger là, dans la proposition qu'on vous fait.